Alors, et Logan, regarde sur cet article, ça dit que qu'on vient de gagner une chambre en une chambre. On va voir. Ce qui veut dire oui. Ok, on y va. J'ai peur. Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous ouvrir une porte. Voilà, c'est la cloche. Moi, elle est pas fraîche. J'ai peur. Piano. Oh non! Regardez! Un Todd! C'est qui fait cette musique? Oh, c'est qui a ouvert fermé la porte? Non, ça va. Ah non, c'est rien que Père Noël. Coucou. Ah! Vidéo spéciale Halloween. Bon, je sais que on est dans, on dirait quelque chose d'entier, mais on va s'asseoir. Non, mais voilà. Bon, allez, Logan, tu commences à raconter une histoire d'horreur. Ouais, tes yeux, ils font flipper. Oh là, ça fait plus flipper. C'est quand tu regardes vers là, ça fait flipper avec la lumière. Bon, allez. Raconte-tu une histoire? Vas-y, commence. Il était une fois du jour. C'est complètement improvisé. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois la légende de Ornella. Pas j'entends plus. Transition Ornella. Ornella. Alors, là, ça, c'est au Japon. Si, quand aux toilettes des filles se toquent à la troisième porte. À la troisième porte des troisièmes défis, c'est Mais je connais, si tu on prends toque à Sora, Ornella. putain, tu prends Sora. Non, c'est une. Je l'ai vu de UK Watch. Ok, à toi. Non, tu éteins, mais t'es bête! Allez, à toi. Je crois que je l'ai passé sans faire ça. Non, allez! D'accord. Alors, je reprends une histoire d'un. Allez. Pour L'histoire qui ceux fait qui peur. connaissent pas Sora, en fait, au Japon, c'est une légende. Ou en fait, c'est une femme qui, dans le temps, au Moyen Âge. Oui, j'ai aussi vu ça. Oh merde, on va les couilles. J'ai vu ces deux épisodes. Fuck. En vrai, c'est l'histoire d'un. Pour bon, tes yeux, il faut que tu vois après la vidéo. Attends, je vais essayer pour voir. Je veux pas dans sa vision. Attends. On voyait la télé. Ça avait même pas peur, moi ça On va voir. va. C'est l'histoire d'un jeune enfant Ouais. qui en fait un jour allait dans une cabane hantée et il était tout seul. Non, en vrai c'est une autre. Putain. C'est l'histoire d'un. Pour ceux qui la connaissent pas, en fait, les catacombes de Paris sont hyper grands. Et en fait, il y a un mec un jour qui s'est perdu dans les catacombes. Il a fait même une vidéo. Et vers la fin de la vidéo, on voit en fait qu'il s'est fait poursuivre par un quelqu'un, on ne sait pas quoi. Et voilà, finish. Voilà. Et on ne l'a plus jamais retrouvé. Juste, c'est l'homme mystérieux. Il a joué et ensuite sa tête s'est décrochée. Ta 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 ta. Ça fait pas rien. Ne vous inquiétez pas, il va nous être cousu dans. Voilà, transition. Transition histoire de Père Noël. C'est bon, c'est la fin de la transition. Alors c'est l'homme mystérieux qui a fait mal à Jean-Louis et maintenant, ne vous inquiétez pas, il va nous être là. Bref, c'est la fin de la vidéo, allez, ciao.
Attends, mais... Bon, on va quitter ce manoir, cette chambre hantée. Musique, d'abord. Ok. Merde, éteins. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais faire une musique qui fait peur. Non, arrête. Putain, elle était bien, la musique. Ok, on y va. Ah, je me suis vraiment fait mal à la main. Salut, je suis un bout. On rentre du boulot. Là. Non, au secours. Je me pars sans toi, Dieu.